des critiques sur son rôle de maman. À la tête d'une tribu de 4 enfants, Élodie Gossuin a subi, par le passé, les remarques haineuses et agressives d'internautes qui l'accusaient d'être une mauvaise mère. Pas toujours facile d'être une mère de famille médiatisée, / Ancienne Miss France, reconvertie en animatrice radio et télé, Élodie Gossuin doit également gérer son rôle de maman auprès de ses deux pères de jumeaux, Jules et Rose, 9 ans, et Joséphine et Léonard, 3 ans. Ainsi a-t-elle eu l'idée d'écrire un livre, intitulé Miss Maman, le guide de la maman, fermez les parenthèses parfaites, pour venir en aide aux femmes qui vivent la même situation. Un sujet qui lui est cher, d'autant que la future candidate de danse, avec les stars a conscience de ne pas toujours envoyer l'image d'une bonne mère auprès du public. Interrogée par nos confrères de Voici, Élodie Gossuin a révélé avoir reçu de nombreux messages de haine lorsqu'elle présentait un chef à l'oreillette sur France 2. On m'écrivait, quelle honte d'aller faire une émission de cuisine, alors que vous ne faites même pas à manger pour vos propres enfants, ou j'imagine que vous n'avez jamais changé une couche. C'est violent. Ça rassure sans doute les gens de penser que si je fais ce métier en ayant 4 enfants, c'est parce que j'ai 6 nounous. Sauf que je n'en ai jamais eu une seule, des critiques violentes qu'elle a heureusement réussi à surmonter. La preuve, Élodie Gossuin, qui file le parfait amour avec Bertrand Lacherie, son mari depuis 11 ans, n'exclut pas la possibilité de pouponner à nouveau. On ne prévoit pas d'agrandir la famille, mais j'avoue, je n'arrive pas à me dire que je ne serai plus jamais enceinte. Alors, si ça arrivait, évidemment que je porterais à nouveau la vie. Guillemets.